heaven, are above the earth. So great is his love for those who fear him. Do you fear God? If you fear God, the Bible is telling us here that as high as autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, the heavens from the earth. Look at the distance. Alors regarde la distance. Nobody has ever gone there. Il y a personne qui ait jamais eu là-bas. All these people going to wherever, dans la lune et tout, ils ont jamais eu cette. They never even reached half. Et même ils sont pas allés même à la moitié de royaume. Amen. Amen. Over how many years? Nobody has ever gone there. Combien des années sont passées? Personne. Bible is saying, as high. La Bible a dit que les cieux sont élevés. Ça veut dire que son amour est sans limite. His love for us is unlimited. Son amour pour nous c'est sans limite. And when we also want to love, et quand on nous aussi on devrait s'aimer unlimitedly. On devrait aussi s'aimer sans limite. Even when your leg they pain you. Même si même quand ton and that brother they tell you, God help me do this thing. Go help him. Go. Porte ton pied comme ça et va aider ton frère. Don't say, look at this brother. If I et if I touch you, you don't see my leg. Est-ce que tu m'as pas vu que moi aussi je suis j'ai mal? Forget about. Alors oublie toi-même là où go help another person. Tu fais mal et aide quelqu'un. As you are doing that, that is when the healing will come. Je vais te dire que quand tu le fais ça, toi aussi tu seras guéri. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Our love should be limitless. Sans limite. Our love for one another as husbands and wives for nous tous, should not be limited. Oh, not until my wife does this, I will not do this. Non, non, pas juste quand ma femme fait ça. Not until my husband does this, I will not do this. Non, il faut pas réagir comme ça. God is saying, le Dieu dit, we should not limit our love. Il faut pas limiter nos amours les autres. Même dans la déficience, montre l'amour. Louez le Seigneur. And let us look at verse 13. Et on va regarder encore verset 13. Alléluia. He said, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Alleluia. Those of you who have children here, do you have compassion for your children? Est-ce que vous avez la compassion pour les enfants? Sometimes I'm walking. Parfois, je travaille with my children, avec mes enfants, with my wife, avec ma femme. And sometimes these people carry this, et parfois, ces gens qui portent, qui amènent les chiens. These dogs, they attack children. Et les chiens qui s'attaquent aux enfants. And they are passing by, maybe their dog is struggling to come and attack. Quand vous attaquez les enfants, les choses qui sont dans mon cœur. Moi, je me suis dit, si ces chiens, je vais tuer ces chiens et cette. The way I will rush the dog, I don't mind if you bite me. I will rush the dog. Compassion. I don't want anything of them. Amen. Amen. There was a day. Il y avait un jour. I don't know if it's Olivia or Jason. We are going together and on enter était en train the lift. And the lift closed. On était dans l'ascenseur et l'ascenseur est. Et il s'est parti. J'étais vraiment furieux. Alors là, où est-ce que je vais aller chercher mes enfants? Je ne savais pas le niveau qu'il allait. Amen. J'étais comme un homme malade. Don't come down. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir. Parce que je ne savais pas où il va. I was like a madman. Alors j'étais comme un homme malade. I said, if I can have
this kind of thing. Alors j'ai dit que c'est, je peux avoir cette chose de compassion pour mes enfants. Alors, amen. Le Seigneur, alors, me, an imperfect man, alors, if I can this way love imparfait. My children, qui je pourrais prendre autant? Alors, devant Dieu. Amen, somebody. Amen. Let's worship him. Alors, il faut acclamer. Because of his love il faut for prier, us. Il faut toujours louer. Even in our sin. Même dans nos péchés. He said he died for us even while we were yet sinners. Il a mouru pour nous même quand on était des pécheurs. He didn't die for us because we were already clean. Alors, il n'a pas mouru pour nous même quand on était purifié. While we were yet sinners, alors, we were rubbing ourselves in sin. Quand on était pécheurs, lui, il est descendu pour mourir pour nous. Which love will be more than alors, this? Quel amour est plus que ça? I've never seen any love j'ai jamais vu un amour qui est autant. So when we want to celebrate Valentine's alors, Day, quand on vous, we should be celebrating Jesus Christ. Il faut fêter Jésus Christ. We should be celebrating Jesus Christ. Il faut fêter Jésus Christ. Who came to share his love qui for us? Qui est venu pour partager even son amour we were pour yet nous? Sinners. Même quand on était toujours des pécheurs. Praise the Lord. Louez le Seigneur. In our imperfect nature. Dans notre nature imparfaite. Christ came to make us perfect. Jésus est descendu pour nous faire parfaits. Amen. Amen. He's to be celebrated. Alors c'est lui qui so when we are talking of Valentine, quand, alors quand on parle de Saint Valentin, alors il faut qu'on glorifie ensemble pour glorifier son nom. Because this is the greatest of all sacrifices. Parce que c'est le sacrifice le plus grand de tout. Praise the Lord. Louez le Seigneur. And finally, let us look at verse 17. On va regarder la verse 17. Verse 17 says, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children. Amen. The Lord's love is with those who fear him. Alors, mais la bonté de Dieu a jamais pour ceux qui to everlasting. À la miséricorde pour les enfants et aider leurs enfants. That is to say, without limit. Alors, c'est sans limite. Someone who has such love for you alors, should be celebrated. D'amour pour toi, not just Saint Valentine. What Saint Valentine did is a good thing. Alors, ce que Saint Valentine a fait, c'est que someone is God is more than alors, mais quelqu'un a fait quelque chose qui est plus que celle de Saint Valentin. Praise the Lord. Louez le Seigneur. You see, the world loves to celebrate Valentine. Alors, tu vois, because it's an opportunity for them to do nonsense. De fêter la Saint Valentin. Because as I talk to you now, mais quand je vous parle, tu vois. Just because of Valentine. As I speak to you now, there are people who will be raped today. Il y a ceux qui sont agressés et abusés sexuellement à cause de Saint Valentin. As I speak to you now, quand je vous parle, there are people who will die today. Il y a ceux qui vont mourir aujourd'hui. Because after all the nonsense they parce do today, many are going to die. Il y a ceux qui vont mourir just for Valentine. Juste à cause de Saint Valentin. But brothers and sisters, mes frères, mes soeurs, there is someone who did more than Saint Valentine. Il y a quelqu'un qui a fait. Why is the world not celebrating him? Le monde why is the world pas not celebrating pourquoi Jesus? Le monde ne fête pas why is the world not celebrating that pourquoi one who left his throne, his eternal oui, throne, qui a descendu de son royaume, his awesome throne? He left it behind. Il a and laissé came down. Lui. Il est descendu. To die for us. Même quand on était tous les pécheurs, pourquoi le monde refuse de fêter Jésus? Praise the Lord. Louez le Seigneur. I pray that the good Lord will begin to speak to our hearts. Notre Seigneur Dieu va commencer à parler à nos cœurs. Parce que tu peux voir que ce que Jésus a fait, aucun homme ne peut le faire. That's why I feel so angry. C'est pour ça que je suis toujours sad when people say not celebrate Christmas. Quand ils disent qu'il faut pas fêter le Noël. Amen. Amen.
Don't celebrate the birth of our Lord Jesus. Il faut pas fêter la Even if you are saying you don't know his alpha date, tu connais pas sa If the world has agreed, Qui êtes-vous? You don't want God to celebrate and honor him. Tu veux pas que on le fête en fait et vous honorer. Celebrate your own birthday. Mais toi aussi tu fêtes ton anniversaire. Praise the Lord. Louez le Seigneur. If the whole world will stop celebrating, si le monde entier va arrêter de fêter Noël, moi je vais pas m'arrêter de fêter Noël. Amen. Amen. The only thing is that I must not celebrate Christmas the worldly way. Alors the social Je ne veux pas fêter Noël de façon normale, mais je vais le fêter en me donnant l'honneur pour me sauver. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Definitely there was a day he was born. En fait, il y avait many of us today, un beaucoup de nos parents, ils ne savent pas les dates actuelles qu'ils sont nés. Par exemple, mon père, il ne sait pas vraiment sa date de naissance. Parce qu'il a dit que le livre qui était écrit, il y avait la femme qui sont mangés. C'était mangé par les cafards. So what we are talking about is the date of birth. Quand on parle de sa anniversaire, nous on est en train de penser. Alors on dit que si c'est faux, peut-être c'est celui qui est né avec 2 ans ou peut-être 3 ans. Au moins Jésus-Christ. Who left his throne? Qui a descendu de son palais, de son royaume, de me faire sortir. Brothers and sisters, il ne faut pas laisser les gens parce qu'ils cherchent une façon de déshonorer notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Which love could be more than this? Alors quel amour est plus que ça? Valentine gave us love. Alors Saint Valentin nous donnait l'amour, oui. Be more than the one Jesus. Alors, mais quel amour est plus que l'amour de Jésus? And why is Jesus not celebrated? Et pourquoi Jésus n'est pas? Why is it that when you talk about Jesus, Et they say, pourquoi no, on parle de no, Jésus, on dit non, il n'y a pas, il n'y a pas raison. Brothers and sisters, mes frères et mes sœurs. My Bible made me to understand. Mon Bible me fait comprendre. When people begin to tell you to reject somebody, quand les gens te disent de rejeter quelqu'un, alors commencez à bien regarder dans cette personne, parce qu'il y a quelque chose spécial dans cette personne que tu as besoin dans ta vie. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Non, il faut regarder bien cette personne. Amen. Amen. When I came here, quand je suis somebody was telling me these people don't near them. Alors il y a personne qui m'a dit non, il faut aller vers cette personne. Et moi quand je suis allé plus proche à ces gens, these people started showing me ways. Ils ont commencé à me montrer le chemin. You want to have this? Alors ils m'ont dit si tu veux savoir ça, il faut aller là. Mais why the person who said I should not go near them? Alors la personne qui m'a dit il faut pas parce que j'étais en Asie, j'avais pas droit à cette chose. Hello. Hello. Il a dit non, que cette chose ils ont demandé l'asile, c'est ceux qui sont d'accord. But when I went closer to people, he said I should not go. Alors quand je suis allé proche à ces gens-là, c'est eux qui m'ont amené à le bureau que je devais avoir ce que j'avais besoin. Praise the Lord. Louez le Seigneur. He said, let me know. He said, it's only the post account. It's only the post account. Il m'a dit que je ne pouvais pas avoir un compte avec autre banque que la poste. When we are moving, we just bring out this cash. Il utilisait la carte bancaire à chaque fois on était ensemble. So, alors, au Niger, on utilisait la ATM card, they take the post. Il retire toujours 10 euros. Alléluia.
like this. But when I discuss with those who understand, you can get it. Quand j'ai discuté avec ces gens, ils m'ont dit non, je ne peux pas aller à n'importe quel moment. Et je suis allé à quel moment. Et ils m'ont demandé d'amener tout ça. Et ils m'ont donné la. And I went to him. Praise the Lord. So if anybody tell you don't go near this people, go near something is happening. Hallelujah. Don't allow people to deceive you. And I know. Je sais. God will help us. Que le Seigneur va nous aider. Au nom de Jesus gave us the greatest one. Jésus nous a donné la. Jesus brought us out of our nonsense. Because your word says if we love you, we will obey your commandments. Help us to obey your commandments. That love will continue to cover us in the name of Jesus. Thank you, Father, for serving. Merci, Seigneur Jésus, pour tous les in Jesus' mighty name we are praying. Hallelujah. Are you blessed? Hallelujah. I'm so blessed. Amen.